je suis spécialiste en virologie et je suis responsable de l'unité de virologie au sein du laboratoire de microbiologie du CHU de Bourguiba Sfaqs. Alors, au sein du laboratoire de virologie, donc, l'unité Covid a été créée pour faire le diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2. Cette unité Covid consiste à faire justement à recevoir les prélèvements qui proviennent de différentes structures, que ce soit le SAMU 04 qui réalise le prélèvement à partir des patients qui sont chez eux, ou bien à partir des services cliniques, notamment du centre Covid qui est donc au service de pneumologie ou du service de réanimation. Donc les prélèvements parviennent ici au laboratoire. Et donc c'est ici qu'on va faire le diagnostic virologique de l'infection Covid-19. Donc aujourd'hui c'est notre premier jour, donc on a démarré le diagnostic après une préparation qui a duré plusieurs jours parce qu'il fallait assurer un maximum de biosécurité pour pouvoir travailler ces prélèvements. Donc aujourd'hui on a reçu une quarantaine de prélèvements comme début. On est en train de les travailler. Alors la réaction, elle consiste en plusieurs étapes, ce qui fait que ça demande pas mal d'heures de travail parce qu'il faut environ 6 heures à peu près pour faire la réaction donc du début jusqu'à la fin. Donc c'est quelque chose qui demande du temps. Après il faut interpréter les résultats, valider les résultats et ensuite donc transcrire les résultats et les envoyer au ministère ou à l'observatoire qui est responsable donc de la gestion de cette épidémie. Juste rajouter que la mise en place donc du test Covid et la création de l'unité Covid au sein du laboratoire de microbiologie, ça s'est fait grâce aux efforts donc de tout le personnel de ce laboratoire qui a montré vraiment une mobilisation et donc ils se sont vraiment impliqués dans la création de cette unité Covid et je voudrais justement profiter de l'occasion pour les remercier de tous les efforts qu'ils ont fournis, que ce soit les médecins, les paramédicaux, les ouvriers, tout le monde a été impliqué et ils l'ont fait avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. Et bien sûr, je voudrais remercier notre chef de service, le professeur Amin Hameli, qui a donc bien sûr facilité et qui a donc fédéré tout ça. Et bien sûr, de l'hôpital aussi, qui nous a fourni, qui a essayé de nous fournir tout le nécessaire pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions.